La vocation de la vie chrétienne est de marcher dans la lumière en reconnaissant ses limites et en cherchant à ne pas glisser vers le péché, sûr que le Seigneur nous attend toujours et que sa miséricorde est plus grande que nos failles. Voici en résumé l'homélie de la messe célébrée par le pape François à la Maison Sainte-Marthe. En commentant la lecture du jour, le souverain pontife a précisé que Dieu est lumière et que l'unique juste est celui qui a payé pour nos péchés. Si tu dis que tu es en communion avec le Seigneur, alors marche dans la lumière. La double vie, non. Ça, non. Ce mensonge que nous sommes si habitués à voir, est-ce qu'on ne tombe pas aussi dedans? Dire une chose et en faire une autre, non? Toujours la tentation. Le mensonge, nous savons d'où il vient. Dans la Bible, Jésus appelle le diable le père du mensonge, le menteur. Et pour cela, avec tant de douceur, ce grand-père dit à l'église adolescente, à l'église jeune fille, ne sois pas menteuse. Toi, tu es en communion avec Dieu. Chemine vers la lumière. Fais des œuvres de lumière. Ne dis pas une chose en faisant une autre. Pas de double vie.